La suite de l'émission sur TSO Radio, on parle 2.0 aujourd'hui, on parle réseau, on parle TikTok, on parle Instagram, on le fait souvent en ce moment, on a reçu Agriculteur en live le, je ne sais plus, 4 juin je crois. Oui, nous l'avons, oui, 4 juin. Voilà, un peu plus tard nous avions Marnef02 aussi sur TikTok, qui c'est qu'on a eu? On a reçu un YouTuber, on a eu MacBee. C'est pas, tout à l'heure tu disais qu'on ne recevait pas assez de YouTubeurs, Julio, mais si on a eu MacBee. Connais le MacBee? Ah, ah. Quoi, un peu bordel. On a eu Axel aussi. Ah, oui, 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 mais enchanté. La chanteuse Axel. La chanteuse, elle est pas sur TikTok. Enfin, si, elle est sur TikTok. Bah, si, 10 000 abonnés, je crois, 15 000. Hein. Tout à fait. Donc, on va en parler aujourd'hui. Mon petit, je te présente, hein, donc Guillaume. On peut t'appeler Guillaume ou Gizmo tout le temps? Comme tu veux, n'importe. Comme je veux. N'importe. Comme tu veux. Peux-tu te rapprocher du micro, s'il te plaît? J'ai envie de t'entendre. Ma belle voix. Bien, voilà. Ouais, voilà. Ah, putain, une belle voix. Tu veux pas faire animateur radio? On a un président à remplacer. Donc. Non, je plaisante. Je vais faire un geste, mais... Ah oui, tu allais encore lever un doigt. Ça y est, tu vas l'énerver, là. Ça serait malsain de ma part. Oh, mais il se vénère beaucoup, tu sais. C'est un homme au tempérament bien trempé. Oui. Pas bien mouillé, quoi. Et donc, Maurice Sarin, c'est notre journaliste. Actuellement, je suis bien mouillé, effectivement. Bah, on est tous... Eh, je te l'ai dit la dernière fois, moi j'ai la goutte, là, qui est en train de descendre du cou, qui va jusqu'à l'arrêt du cul. Hein. Ah. Et comme j'ai pas de scoliose, elle s'arrête pas entre deux. Hein. Il y a pas de problème, tu peux y aller. Ça va être super, ça. Ah oui, c'est génial. C'était le dose d'Axel. Dos d'Axel. On va revenir en septembre, le dossier sera toujours ouvert. Je parle pas beaucoup de ma teub aujourd'hui. C'est vrai. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va mieux. Bah, c'est pour ça. Et comme ça va mieux. Ça décompresse. Mais ça, on fera les off. Oui. Pour vous montrer que ça va mieux. Il y a du progrès, c'est bien. Il y a du progrès, je peux faire pipi, c'est déjà pas mal. Donc, est-ce que, donc, je disais Guillaume, Sébastien, Guillaume, en réalité, il s'appelle Maurice Sarin. Téloche. Séquence télé. Ouais, il va faire la séquence télé tout seul. Comme un grand, hein. Maurice Sarin, c'est notre journaliste. C'est-à-dire que c'est le maître de la question, c'est lui qui va te questionner aujourd'hui. Journaliste entre guillemets. Oui, 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 mais entre beaucoup plus que les guillemets. Les mais choses à sa place. Ah. Le soir, allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. Ouais, les bras cassés, ouais. Effectivement, les bras cassés. Je le laisse mettre la téloche tout seul, il m'envoie les jingles. Tu vois, t'aurais pas dû. Par contre, je vois que tu sais faire, tu vas pouvoir les faire maintenant. En fait, il veut qu'on s'occupe de lui, Nivek. Il veut un peu de reconnaissance. Ouais. Tu l'as, les gars. Je peux lancer des sons si vous voulez, bande de cons. Ça la souris. Maurice Sarin, nous avons aujourd'hui une star de TikTok. Tu es de quel secteur? Star. Non, ouais. Pas star quand même. Laisse-moi te lécher le trou du cul. Ouais. En vrai, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, nous, en comparaison, on va pas te foutre la honte, mais on a quand même 180 abonnés sur TikTok. Et on les a que depuis deux semaines parce que Agriculteur a accepté de nous faire un petit TikTok. Pas mal. On a gagné 100 abonnés, je crois. Pas mal. On compte de te demander la même chose. Hein. Bah, quand je serai plus banni, je suis chaud, mais. Putain, fais chier. Ah ouais, bah ouais. Bah, ouais. Bon, Instagram, t'es pas banni. Ouais, c'est vrai. Des petites questions pour notre ami? Oui. Ah bah j'espère. Attends, faut que je retrouve mes questions. Non, quel âge as-tu? Tu as quel âge? 19 ans. 19 ans, ouais. Ah bah ça va, putain, j'aurais dû demander avant, il est majeur. Et tout ce qu'on dit... Non, j'ai 17 ans. Et merde. Et d'où viens-tu? Valenciennes, à côté de Valenciennes. Dans cette petite bourgade. Petite ville, petit village, Prouvy. Ouais, c'est pas ouf. C'est d'accord. Pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Adresse? Ouais, non, là, c'est chaud, là. Code postal, pointure. Numéro de téléphone. Ah, moi je suis du côté de Valenciennes aussi. Hein. Ouais, Saint-Solve. Saint-Solve, ouais. Ah, bah oui. Je suis né à Saint-Solve. Connu. J'ai vu qu'il y a Valenciennes. Oui? C'est bon, je t'en sors, ton micro. Je raconte ma vie. Ouais, c'est ça. Non, mais je vous emmerde. Alors, depuis combien de temps tu es sur TikTok? TikTok, alors, le bac c'était quelle année pour moi? Ah, ouais. Bah ça, je ne sais pas. Ah, ouais, bah, je réfléchis actuellement. Il y a 2 ans. Bah, 2 ans et demi alors. Que je me suis mis mi-terminale. T'as eu le bac? Tu l'as? Ah oui. Ah bah je sais pas. Tu sais, on peut faire le tour de table, hein. On n'est pas beaucoup de l'avoir. Ouais, hein. Ma mère, elle m'aurait démonté sinon. Oh. Ah, parce qu'en plus de faire des battlefield sur le mec, c'est grâce à ça, parce qu'il y a eu son bac, donc il a eu l'autorisation de faire. Voilà, il y a des TikTok d'ailleurs sur ta chaîne TikTok où tu montres ton envie de réviser. Non, tu joues. Ah ouais, non, c'est vraiment un truc que j'arrive pas. Hein. Franchement, même avec les années, j'ai de plus en plus de mal à réviser. C'est... Ah ouais, bah ça va pas s'arranger. Hein. Ah ouais, non, mais là c'est horrible. Hein. Là cette année, c'était en L2 là. Qu'est-ce dont L2? Parce que alors nous. Ah, licence 2, deuxième année. Ah, par le brevet et le bac. T'es pas chez des prix Nobel alors.
Bon, il y a quand même Laurent qui a une licence ou une blague. Licence 3, ouais. Licence 3. Non, nous on a la licence 4. Bah oui, elle donne la deuxième année de licence. Ouais. Ah, moi je suis très très bon, j'ai ma licence 4. Ah, bah je l'ai aussi. Tout ce qui est whisky, bière, je connais sur le bout des doigts. Ouais, marche. Moi eux aussi, bah. Les tueurs jeunes aussi, ils ont une belle licence 4 aussi quand ils finissent tes sous radio à 4h du matin. Ah oui, bah d'ailleurs, il y avait un TikTok. Ouais. Retrouvez d'ailleurs le TikTok où ils se sont fait un petit projet X en mode pâte. Radio. Donc c'était beau, les pâtes. Ouais, bah on a découvert ça sur TikTok, on savait pas. Je me suis venu le lendemain, je m'avais merde, je sais quoi ce bordel. Il y a un peu de sauce tomate là. Sauce tomate, des pâtes par terre, bon. D'accord, ok, bon. Laura, t'as validé ta licence 3 Lettres modernes, ouais. Pourquoi il y a d'autres licences Bah après, il y en a des autres. Ouais, il y a des licences de tout. Non, après, j'ai fait un an à l'IPAG, mais j'ai arrêté. Ah, c'est quoi l'IPAG? À un moment donné, c'est bon. C'est l'Institut de préparation à l'administration générale. Ah, c'est pour être dans les administrations. Général, ouais. Bah oui. Non, mais tu peux passer tes concours de police, tout ça avec ça. Bah, nous, on n'a pas été, pas besoin. Hein. Non, on a le concours de police, mais sans passer par l'EHPAD ou tout ce que tu veux. Hein. L'EHPAD. L'EHPAD. Non, mais pour être commissaire. Ouais, non. Il faut un bac plus 4, je crois. Ouais, c'est le master pour être commissaire. Oui, dis-nous. Alors, comment est venue l'idée de t'inscrire sur TikTok? Alors sur TikTok, de base j'étais déjà depuis longtemps sur Instagram. Comme nous, tu matais les bonnes meufs. Ça fait la base. Ouais, quand j'avais pas de meufs, Écoute, c'est quoi, Cécile, ouais. Cécile. Ouais. Cécile, bouge tes oreilles. Là, je suis dans bouge la merde. Bouge tes oreilles, Cécile. Ah ouais, du coup j'étais sur Instagram de base et aussi sur Twitter. Et sur les deux, au bout d'un moment, il y a TikTok qui a racheté Musical.ly. Oui. Et là, à ce moment-là, il commençait à y avoir plein de TikTok qui étaient sur Instagram et Twitter. Et à chaque fois, c'était des TikTok un peu de trous de balles. Vraiment, pour le dire, c'était vraiment des gens, c'était un peu des trous de balles. Des gros boules, ouais. Ouais. Non. Non, juste des gens qui étaient vraiment cons. D'accord. Enfin, un peu, mais vraiment cons. Et ça me faisait vraiment trop rire. Enfin, un peu de tout après. Ça me faisait vraiment trop rire. Et du coup, j'ai installé l'application. Au début, c'était vraiment juste pour regarder. Et après, bon, je sais pas, je me suis lancé comme ça. Du jour au lendemain. Quand tu t'es lancé sur TikTok, t'étais déjà en couple avec la demoiselle avec qui tu es aujourd'hui? Attends, je réfléchis. Non, mais c'est juste toi. C'est Jimmy. Parce que si tu dis non, on peut s'éclater sur les débuts, tu vois, avant que tu sois avec. Ouais, si, c'est début terminal. Ouais. Question piège. Ah, ouais, c'est dur là. Te souviens-tu en quelle année tu t'es mis avec elle? Bah. Il est vraiment dans la 24 merde. Novembre 2018. Oh! Alors. Oh, c'est bon! On peut y aller alors. Ça va, il se rappelle de la date. Tu peux dire ouvertement que TikTok, tu scrollais les culs. Mais non, j'étais déjà avec elle. Ah, pardon. Mais on peut dire que j'ai des copains en privé qui m'envoient des TikTok. Voilà. Benjamin, non? Un mot là-dessus, t'as envoyé combien de culs l'année? On va continuer cette émission dans une séquence suivante, si ça vous dérange pas, hein, une petite musique, hein, une petite pause, le temps d'aller faire un gros caca, et puis on se retrouve. Non, c'est pas la pause caca, non. Regarde, j'ai pas envie là. Yes, nickel, allez, à tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-et-Loire et au-delà.